Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir les 6 meilleurs vélos électriques pliables sur Amazon. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre actualité. Allez, c'est parti pour un petit tour avec les 6 meilleurs vélos électriques pliables sur Amazon. On commence avec le Fido M1, un vélo électrique pliable tout droit venu de Chine. En effet, la marque Fido est originaire de Shenzhen. Sa présence sur le marché est encore récente, mais les performances de ses vélos électriques lui ont valu une place dans cette sélection. Le Fido M1 est un vélo électrique multifonction. Il peut facilement basculer entre le mode pédale, le mode cyclomoteur et le mode électrique. Comme ça, si vos mollets commencent à fatiguer, vous n'aurez pas besoin de vous arrêter. Ce modèle dispose également de 7 vitesses que vous pouvez modifier à votre guise. Cette fonctionnalité vous permettra aussi d'aborder les pentes plus facilement. En termes de puissance, le Fido M1 fonctionne à l'aide d'un puissant moteur de 250 watts, avec une vitesse maximale de 24 km à l'heure. Ce n'est pas tout, ce vélo électrique a été conçu avec des freins à double disque pour un arrêt tout en douceur. Aucun risque que vous finissiez dans le décor. De plus, il dispose d'une autonomie de 45 km pour vous éviter de tomber en syncope. Vous manquez de place dans votre appartement ou dans votre garage? Pas de souci, le Fido M1 peut être facilement déformé et plié. Il trouve facilement sa place dans un coin. Cette fois, on va s'intéresser à la marque Diyu avec son modèle D3+. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Le Diyu D3+, est un vélo électrique pliable de ville qui dispose de 3 modes de fonctionnement. Le mode électrique, le mode aide à la conduite et le mode sans assistance. Le mode électrique vous permet de profiter de votre vélo sans avoir à pédaler, un peu comme sur une petite moto. Le mode assistance vous assiste comme son nom l'indique. Le mode sans assistance fait du Diyu D3+, un vélo comme un autre où vous devrez pédaler pour avancer. Le Diyu D3+, fonctionne avec une batterie possédant une autonomie record de 60 km, ce n'est pas rien. Si vous avez un petit coup de mou ou qu'il fait trop chaud pour travailler vos jambes d'athlète, le mode électrique sera votre nouveau meilleur ami. Cependant, le Diyu D3+, ne dispose d'assez de puissance que pour 40 km dans ce cas-là. Sa vitesse maximale est de 25 km à l'heure avec un moteur de 250 watts, ce qui est une excellente moyenne. En bon vélo électrique pliable, le Diyu D3+ est léger et se range très facilement. Seulement 18 kg pour une charge maximale de 120 kg, il faut dire qu'il en a dans le ventre. Le Diyu D3+ est également conçu avec des matériaux étanches, ce qui lui permet de résister à l'humidité si vous roulez sous la pluie. En bonus, le Diyu D3+ dispose d'une application mobile qui vous permet de contrôler le vélo depuis votre smartphone. Celle-ci fonctionne par Bluetooth et vous permet d'accéder à toutes les informations de votre vélo. Entre autres choses, vous pouvez régler votre vitesse et verrouiller votre vélo électrique à distance, ce n'est pas génial? La marque Diyu jouit d'une très bonne notoriété en Chine avec 5 récompenses à son actif. Autant dire que la qualité est au rendez-vous. Contrairement au modèle précédent, le Bikefun EB5757 roule autant en ville que dans les montagnes. Amateur de sensations fortes, manifestez-vous. Avec son poids plume de 25 kg pour un vélo électrique tout-terrain, sa vitesse maximum est de 32 km à l'heure avec une autonomie de 65 km, ce qui est assez impressionnant. Lors d'une randonnée en montagne, les pentes ne vous feront plus peur car le Bikefun EB5757 peut s'incliner à 30 degrés pour les aborder tout en douceur. Sa hauteur de selle par rapport au guidon peut varier entre 80 et 95 cm selon la taille du conducteur. Avec ça, adieu les sensations de fatigue. De plus, vous êtes protégé des chutes et des accidents grâce à un système électrique qui empêche la coupure de courant au niveau des freins. On n'a pas fini de parler de ce vélo. Le plus gros avantage du Bikefun EB5757 réside dans la capacité de l'utilisateur à replier ses cadres. Ainsi, vous pouvez caser votre vélo électrique partout, que ce soit dans le coffre de votre voiture ou dans le métro. En termes de praticité, il n'y a pas mieux. De plus, le Bikefun EB5757 est conçu à partir d'un alliage d'aluminium. Un matériau connu pour sa résistance, sa qualité et sa légèreté.
Rien à dire, c'est un bon vélo. Quoiqu'il soit un peu cher et ne dispose pas de GPS, mais on l'aime quand même. Le Lankele Easy G650 est un vélo électrique pliable de ville fonctionnant avec trois modes. Le mode électrique, le mode d'assistance de pédale et le mode de travail manuel. Ce modèle dispose également d'un écran d'affichage multifonction qui permet de consulter toutes les données relatives à la conduite ainsi que votre niveau de batterie. En parlant de batterie, le Lankele Easy G650 dispose d'une batterie amovible que vous pouvez retirer ou recharger directement sur le vélo. Celle-ci vous permet de profiter d'une autonomie de 40 km et de vous prémunir des vols. Après tout, que serait un vélo électrique sans batterie? Vous disposerez aussi d'un moteur de 400 watts et d'une vitesse maximale de 35 km à l'heure pour arriver plus vite à destination. Pour vous faciliter la tâche, le Lankele Easy G650 est assemblé à 90% à la livraison. Il ne vous restera plus qu'à assembler la selle, les pédales, le guidon et la roue avant. De plus, vous bénéficiez d'une garantie confortable de 2 ans en cas de pépin. Alors, prêt à acheter votre nouveau vélo ? On peut dire que la marque Kugou joue dans la cour des grands. Il faut dire qu'en apparence, le Kugou Kirin B2 a l'air plutôt chétif. Mais il ne faut pas s'y fier. En effet, le Kugou Kirin B2 est équipé d'un moteur de 400 watts et peut atteindre une vitesse de 45 km à l'heure. Autant dire que vous arriverez à destination en 2 temps 3 mouvements. De plus, sa batterie a une autonomie de 40 km et il peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kg. Vous voulez faire vos courses pour toute la semaine? Ça tombe bien. D'ailleurs, quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, les freins du Kugou Kirin B2 feront en sorte de vous arrêter avec classe. Un peu comme dans les films, quoi. Son seul petit bémol, il n'est pas encore autorisé à rouler sur la route. Mais ça n'en reste pas moins un petit bijou pour vous pavaner dans les rues de votre quartier. Vous ne serez pas déçus. On termine avec un vélo électrique pliable de marque anglaise, le Hummingbird Electric Bike Gen 2.0. Attention, c'est du lourd! Le Hummingbird Electric Bike Gen 2.0 est sans doute l'un des meilleurs vélos de ville du moment. Il allie toutes les caractéristiques d'une bonne citadine. Couvrir un maximum de distance en pédalant plus vite et avec moins d'efforts. Le Hummingbird Electric Bike Gen 2.0 fonctionne avec un moteur de 250 watts. Sa batterie intégrée permet de bénéficier d'une autonomie allant jusqu'à 50 km en une seule charge. Ce modèle dispose aussi de l'application BitRide qui vous permet de contrôler les informations relatives à votre vélo. Grâce à cette application qui fonctionne par Bluetooth, vous pouvez personnaliser vos paramètres d'assistance et surveiller votre niveau de batterie. Le Hummingbird Electric Bike Gen 2.0 vous offre également la possibilité de booster votre accélération avec une assistance supplémentaire au pédalage. Ainsi, même les pentes les plus raides vous sembleront inoffensives. Votre vélo électrique pliable Hummingbird Electric Bike Gen 2.0 arrivera chez vous totalement assemblé. Il est également livré avec un guide de démarrage rapide pour faciliter sa prise en main. Et côté rangement, il ne vous faudra pas plus de 5 secondes pour le plier après chaque utilisation. Que du bonheur! Mes amis à roulette, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Avant de partir, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche de notification pour encore plus de vidéos high-tech. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !